crois que c'est joué à 3 points. 56 pour les Pilates. On assiste à la présentation des équipes, le numéro 4, Mickaël Gaillard, le numéro 5, Julien Rambert, le numéro 6, Nicolas Yari, le numéro 7, Kevin Reichenbach, la seule fille du match, Rachel Brutin, numéro 8, le numéro 9, Jonathan Alfaro, pardon, le numéro 6, 10, joueur de l'équipe de Suisse, Hussein Bardo. Numéro 11, Claude Siegenthaler. Numéro 12, Luca Real qui vit sa première finale de Coupe Suisse. Numéro 13, Raphaël Bialet. Numéro 13, Raphaël Bialet. Numéro 14, Michael Tippi. Et numéro 46, Matteo Baldo. Les Aigles de Meyrin sont coachés par Rumesh Lanton. On va assister maintenant à la présentation des Pilatus Dragons. La Coupe Suisse, 20 fois champion suisse, 12 doublés. Les Pilatus Dragons, mit Nummer 6, Markus Lampard. Numéro 6, Markus Lampard. Mit Nummer 7, numéro 7, Walter Spüller. Numéro 8, coach et joueur, Nicolas Ozaman. Numéro 10, Marc Rotachin. Numéro 11, Pascal Bolliger. Numéro 13, Schwan Wahau. Et numéro 15, Philippe Stern. Voilà, on est prêt pour cette finale. Moi, je suis Thomas Koller, Laurent Yagi avec moi ici pour une première Suisse, je crois, pour le streaming du match des Handy Basket, la Coupe Suisse, qui oppose les pilotes Ostregen avec les Aigles de Meyrin. Voilà, après l'hymne national qui nous a surpris un peu, qu'on n'a pas eu le matin, maintenant la finale de la Coupe des Handy Basket. Laurent, les deux équipes, tu les vois comment? Alors, Pilatus est ultra favori avec 5 victoires en championnat contre les Aigles de Meyrin. Pilatus est composé à 90% de l'équipe de Suisse. Je pense que je serais étonné qu'on ait un match serré, mais on ne sait jamais. Mais. Ok, et d'où vient cette dominance? C'est simplement parce qu'ils ont la meilleure infrastructure ou c'est quoi qui fait que l'Handy Basket à notre ville? Lors du dernier match, vas-y. Les Aigles
Ok. Alors, c'est clair que Pilatus profite du son d'un paraplégique de notre vie. Mais c'est vrai que c'est aussi des gros travailleurs. Hein. C'est une des seules équipes qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Et ils ont aussi la... ils sont aussi coachés par le coach de l'équipe nationale, ce qui aide énormément. Ouais. Ouais, c'est quasi l'équipe nationale, comme tu as dit. Et ça, naturellement, c'est toujours difficile. C'est un peu comme la finale des filles qu'on va voir après avec Elios, qui a une dominance depuis plusieurs années, qui crée un mythe qui est toujours un peu difficile à briser. Effectivement, c'est le même schéma entre Pilatus dans le monde du handibasket. Et les règles, est-ce que les règles de l'handibasket sont similaires que celui du basket standard ou... Alors quasiment, il y a très peu de différence. La question qu'on pose le plus souvent, c'est la hauteur des paniers, ouais, qui est à 3,06 m comme les valides. La seule différence qu'on n'a pas, c'est le marché. Par contre, on n'a pas le double dribble, okay, mais on peut se faire siffler un marché. Les joueurs doivent avoir le ballon sur les genoux et pouvoir faire deux poussées sur les roues. Après, ils doivent redribbler. Et puis, au niveau des attaques physiques, je m'imagine, c'est honnêtement mon premier match de handi basket, mais on a vu que déjà, dans l'entraînement, il y a beaucoup de vitesse qu'on peut obtenir avec les fauteuils roulants. Alors, de ce côté-là, comment on fait qu'il n'y a pas d'accident et que ce sont des grands sportifs qui contrôlent bien leur équipement ou, Alors, vous allez voir fréquemment des joueurs qui vont tomber de leur chaise. Ah ouais? C'est assez fréquent, il y a beaucoup de contacts. Mais généralement, pas de blessures. Le haut du corps, des fois des épaules ou ce genre de choses. Mais... ouais, ça doit être comme je crois que tout le monde dans les fauteuils roulants, ça va être un sport qui est joué effectivement sur les bras et sur la condition des bras. Et puis, mais on va voir. Les Aigles de Meyrin dans le classement du championnat, tu sais, par cœur Les Aigles ont fini deuxième. Ok. Ils sont affrontés justement au final contre les Pilatus. Ah, okay. C'est deux équipes qui dominent le championnat de Liga depuis des années et des années. Et il y a combien d'équipes dans le championnat? Alors, trois équipes en Liga et une quatrième équipe qui est formée des meilleurs jeunes de chaque équipe, ouais, mais qui est hors classement. Okay. Et le championnat de Ligue B regroupe six équipes. Ah, il y a quand même deux ligues, c'est très deux bien. Ligues, ouais. Bon, il y a eu une scission il y a quelques années en arrière parce que les plus faibles équipes de Ligue B se faisaient démonter contre Pilatus et on a décidé de former deux ligues pour que chacun trouve son plaisir. Ouais, ouais, parce que si la dominance est trop forte entre les équipes, ça c'est ni intéressant pour les uns ni pour les autres. Je me rappelle mon premier match contre Pilatus où on n'a pas passé le milieu de terrain dans la première mi-temps. Ouais, donc, mais ça c'est très frustrant naturellement, ouais. Bah, entre-temps, ça s'est un peu évolué, non? C'est un peu évolué, on a progressé. C'est très bien. Peut-être différence aussi avec le basket valide, c'est que chaque joueur handicap a un nombre de pointages sur sa licence par rapport à son niveau de handicap. Ah, ok. Et on a même des joueurs entièrement valides qui sont sur le terrain. Les 5 joueurs alignés ne doivent pas dépasser 14,5 points. Et l'addition des différents types de handicap permet d'arriver à ces 14,5. Le maximum est 4,5 points pour un valide, okay, et 1 point pour un joueur, un paraplégie, okay, par exemple. Tu as dit qu'il y a des gens entièrement valides qui sont sur le terrain? Si je regarde la feuille de match, Michael Tilby de Genève, le numéro 14, est entièrement valide. Et le match a commencé, la numéro 13 a pris le ballon, on va maintenant gentiment s'approprier des différents noms. Swan pour Nicolas Ozaman, premier tir, et non, c'est raté. Genève récupère le ballon, son monteur de balle, Hussein Vardo. Et on freine. Ouais, il est un peu tout seul, la numéro 10, là. Ouais, il joue tout seul, il cherchait un écran, mais personne ne lui a proposé. Il est bloqué. Et les deux premiers points pour Meyrin. Joli. Au moins, ils se sont fait une jolie entrée. Voilà. Là. Ça a duré un peu, mais je crois qu'ils ont bien joué. Riposte. Alors, la première chute du numéro 13 de Pilatus. Qui s'est relevé avec les mains. Impressionnant. Ouais, absolument, ouais. Ouais.
Pilatus a décidé de défendre relativement haut ce début de match pour ne pas laisser le tir facile dans la raquette. C'est ce qui, naturellement, ce qui rend les choses extrêmement compliquées pour... Et on assiste au deuxième panier de Hussein Bardo. Ah, il lâche rien, non? Il lâche rien, ouais. C'est vraiment le maître à joueur des Aigles de Meyrin. Ok. Mais maintenant... Et Pilatus, les Dragons. Avec un panier facile dans la raquette, non, c'est raté. Peut-être un peu de tension chez les joueurs des Pilatus. Ouais, la nervosité se montre un peu chez... Les Lucernois là. Et l'autre côté, le numéro 10. Qui est carrément, quasiment à la ligne à 3 points. Oh. Ouais. Numéro Broutine, Reichenbach, Broutine. Il trouve Real. Ah, 8 secondes. Pilatus a mis plus de 8 secondes à passer le milieu de terrain. La balle retourne aux Aigles. Ouais, c'est la pression du côté de Meyrin. C'est joli à voir si, comme tu dis, c'est Pilatus qui sont les leaders dominants. Pour le moment, on voit rien de tout ça. Hein. Ouais, effectivement. Michael Tilby qui cherche un homme libre dans la raquette. Et Meyrin qui prend un avantage de 6-0. 6-0. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Ouais, c'est très bien, je crois que si ça va pimenter un peu le match, tant mieux. Le numéro 13, Bial. Nicolas Ozaman, coach de l'équipe nationale, et qui ouvre le score pour les Pilatus. Voilà, les Aigles de Meyrin essayent de garder un joueur de Pilatus en défense pour pouvoir avoir un surnom en attaque, mais Schwan est plus rapide et a pu se libérer. Lucas Real de loin. Ouais, c'était, si c'était la chose la plus intelligente à ce stade, ça permet maintenant à... Effectivement, un shoot très tôt dans la possession. Il y avait certainement mieux à faire. Ouais, mais un shoot de 3 points, naturellement, ça aurait donné une surconfiance après à Meyrin. Maintenant, c'est raté et je crois qu'il faut maintenant regarder qu'ils ne prennent pas de l'eau. Ouais. Nicolas Ozaman qui se ferait un... Ozaman qui raccourcit déjà 4-6 et c'est parti pour... Oh, une mauvaise passe, mais Hussein Averdo peut récupérer la balle. Très bien. Et hop. Ouais, on va placer la caméra peut-être pour le 10e quart un peu plus bas parce que nous, on n'a rien vu. Un peu bloc. Une nouvelle chute de Nicolas Ozaman. Et ouais. Une contre-attaque pour Pilatus, un panier facile. Et c'est 2 points. Les Aigles qui remontent la balle tranquillement par Jonathan Alfaro. Hussein Bardo à la ligne de 3 points. Bonne défense de Schwanwab qui est en phase de progresser. Et la fin de la possession, malheureusement. Et la balle va retourner au Pilatus. Schwanwab qui remonte la balle. Certainement un match un peu spécial pour lui qui a été formé à Fribourg et qui vient de rejoindre les Politis au début de saison. Nicolas Ozama, non, un rebond offensif, mais ça n'a rien donné. Et les Aigles repartent rapidement contre Atta. Une défense très haute de Pilatus. Jonathan Alfaro. Dans la raquette pour Cézanne Varandoardo, mais Nicolas Ozaman, oh, une passe arrière. Et Schwanwa en contre-attaque, mais bon retour en défense de Luca Real, qui l'empêche de à Pilatus de prendre les devants dans cette rencontre. Oh, une passe difficile pour Luca Real, qui ne peut pas contrôler.
Elle passe à la raquette de Nicolas Ozerman, met un peu de déchet au niveau du shoot, on récupère le rebond offensif. Et voilà, Pilatus prend les devants, 8 à 6. À la moitié du temps dans ce premier quart. Oh, magnifique passe pour Hussein Bardo qui se retrouve tout seul sur le panier et qui prend le directif. Belle passe de Michael Dinby. Ah, première faute du match pour Luca Real qui est venu prendre la balle par derrière Schwanwab. De loin Nicolas Ozerman, mais distance qui est très adroit. Et 10 à 8. Il faudra que les aigles le surveillent et sortent sur lui. Oh, de longues passes à travers la raquette. Oh, contre-attaque. Non, une faute. La Schwann qui part tout seul au contre-attaque et Jonathan Alfaro était obligé de commettre une faute. Tomor demandé par les aigles de Merin. T'arrives pas à couper le retour dans le casque. 10 à 8. Alors les Pilatus ont repris les devants 10 à 8. Non. On est désolé, quelques problèmes techniques au niveau du son. Alors, non, toujours pas. Toujours pas. Voilà, on se retrouve au direct du match. À la fin de ce temps mort, la balle pour les Pilatus. Toujours pas de changement dans ce match. Schwann qui joue sur Nicolas Ozerman, le même schéma de jeu que tout à l'heure. Balle qui ressort de la raquette. Retour sur Nicolas Ozerman. Walter Schmüller essaye de faire un bloc pour le laisser rentrer. Voilà, c'est fait. Et malheureusement, un bon schéma de jeu, mais qui n'a pas donné lieu à un panier. Aux pertes de balle des aigles de Merin. Alors qu'ils avaient contrôlé le rebond, c'est des choses à pas faire s'ils veulent rester, s'ils veulent coller au score au Pilatus. Schwanwab et Nicolas Ozerman qui jouent toujours les deux à l'extérieur de la raquette. Et Schwann qui a voulu rentrer en force, c'est une faute. Nicolas Ozerman et Schwanwab qui jouent toujours les deux. Et Walter Schmüller qui essaye de faire. Oh, magnifique passe dans le dos et superbe jeu de Nicolas Ozerman. Une passe dans le dos pour son coéquipier qui s'est retrouvé seul face au panier. Voilà. Pilatus a décidé de faire de la presse avec Schwanwab qui joue relativement haut pour limiter la progression en attaque des aigles de Merin. Hussein Bardo. Qui recolle au score, c'est 12 à 10 pour les aigles. Voilà, c'est un match quand même beaucoup plus équilibré qu'on a cru au début, non? Ouais, effectivement, le match est assez équilibré. Il faut l'avoir avec la fatigue et puis la condition physique de tous les joueurs. Si ouais. Pilatus arrive à. Ouais, mais là. Oh, ça va être un shoot difficile. Ah non, à une main tournée dos au panier, c'était pas évident. Et la possibilité pour égaliser pour les aigles de Merin. Alfaro.
Oh, un contre. Mauvaise passe. Un mauvaise passe, c'est contré. Et les Pilatus repartent en contre-attaque. Ouais, un mais... perte de balle dans la raquette. Ah, les arbitres ont sifflé 3 secondes dans la raquette. Ah ouais. Ouais, j'apprends tous les jours. Ah ben voilà. Mais ça paraissait quand même assez violent, là, la bagarre là au milieu. Ouais, non, mais pas de faute, mais 3 secondes de stationnement ouais. dans la raquette, c'est comme au basket valide. Ok, très bien. Donc, Bardo. Alfaro. Kilby. Y aller. Les agréganistes sur un bon shoot. Ouais, il lâche absolument rien, non? Ah, pour le moment, il lâche rien, ouais. Espérons qu'ils peuvent tenir encore cette vitesse, cette énergie ouais. à travers tout le match. Effectivement. Mais là, pour le premier quart, il n'a rien à se reprocher. C'est juste. Ouais. Bonne coupe. Ouais, il ne faut pas le laisser. Bonne défense, ouais. Bardo repart. Bardo avec le rebond défensif. Alfaro. Alfaro. Kilby, il cherche un joueur libre dans la raquette. Ah. Michael Gaillard, ouh, il s'est débattu. Et les Aigles de Merin reprennent les devants à une minute de la fin du match, la fin du premier quart, pardon. Ouais, on est très excités, hein, ouais, c'est, oui. Parce que le match qui était censé être plié au début se présente comme très intéressant. Mais là, une faute, une faute, qu'il y avait une main, je crois, de Bardo qui est qui n'est pas d'accord visiblement avec l'arbitre, avec Bertrand Gallet. Mais voilà, premier lancé franc de la partie. Ouais. C'était la faute de la numéro 10. C'est ça. Sur la 12, sur la 7, pardon, sur Spouler. Sur Spouler, exactement. Ouais. Facile. Souter marque le premier. À mi-chemin, à l'égalisation. Et non, le deuxième ne veut pas entrer, mais Nicolas Zaman récupère le rebond. Ah, Schwanova va essayer de tout faire pour récupérer la balle, mais il n'a pas pu empêcher la mise en touche de ce ballon. Ouais, cette fois, la caméra est restée debout, ouais. C'est bien. Alfaro qui continue, Tilpi. Oh, belle passe pour Hussein Vardo, un peu courte, qui a dû réceptionner dans le dos. Oh. Il est sous le panier. Oh. Ouais, c'était la bagarre. Toujours Vardo. Tilpi. Nicolas Tilpi, tout seul à la ligne, de lancer franc, facile, très propre. Encore 6 secondes. Est-ce que... 6 secondes, 3 secondes. Shoot depuis le milieu de terrain, ouais. Nicolas Zaman, mais un peu court. Mais c'est un match qui a montré exceptionnellement de suspense. C'est vraiment très bien. Ouais. Je crois qu'on est fasciné par le fait que vraiment c'est au début. Si on fait rapidement le bilan, il y avait le 0 à 6. À 6 des Aigles, exactement, ouais. Et après, c'est simplement là où. Les Pilatus, ils ont commencé à se réveiller, c'est quand même exceptionnel, et puis ils ont complètement raté leur début. Et de l'autre côté, voilà, les Aigles de Merin, absolument rien à se reprocher. Hein. Un peu de déchet au shoot pour les Pilatus en début de match, mais ouais. Ça va se replacer. Il faudra que les Aigles ne donnent pas trop de panier facile sous la raquette. Essayent peut-être de défendre un peu plus haut pour éviter justement des paniers faciles aux pénétrations. Ouais, maintenant ça va se jouer, je crois, encore très serré pour un moment, et je crois que ça va être intéressant de voir jusqu'où Merin peut vraiment après résister à la pression, parce que la pression de Pilatus, je présume, va monter fortement. Certainement, Pilatus va peut-être rentrer au début du deuxième quart par une presse, une défense beaucoup plus haut pour essayer que Merin passe pas le milieu de terrain dans les 8 premières secondes de la possession. Un petit coup d'œil sur les fautes. Deux joueurs de Genève sont déjà à 2 fautes. Hussein Vardo, qui est le meneur de jeu des Aigles, ça peut être problématique. Et Luca Real, qui a 2 fautes également. Et Jonathan Alfaro, qui se trouve à une faute. Et côté Pilatus, il n'y a pas de faute du tout. Pas ça veut dire que ça peut jouer à la longue. Si les meilleurs joueurs doivent après sortir ou peuvent plus être utilisés totalement.
Une sortie sur 5 fautes du Saint Vardo sera une catastrophe pour les Aigues-de-Mérin. Ouais, parce que c'est lui vraiment le pilier de l'équipe de Mérin. Effectivement, meneur de jeu et meilleur scoreur des Aigues-de-Mérin. On voit Pilatus qui met en place une défense beaucoup plus haute au niveau de la ligne à 3 points pour justement éviter des paniers faciles sous la raquette. Mais de l'autre côté, ça n'a pas ils ont commencé avec ça déjà au début, mais ça n'a pas payé jusqu'à présent. C'est un système qui est certes prometteur, mais jusqu'à présent, ça n'a pas tenu. Ouais. C'est un système qui est très difficile si vous avez assez de rapidité à contourner. Personnellement, j'ai joué contre les Pilatus en demi-finale et on s'est fait démonter à cause justement parce qu'on n'arrivait pas à prendre des shoots de près. Et on a dû shooter tous nos tirs à partir à mi-distance. Mais là, Mérin déjoue très, très gentiment cette défense. Regardons maintenant que ça donne ici. Nicolo Zaman, il a une belle passe dans la raquette. Ouais, il était tellement proche au milieu, au-dessus du panier que maintenant, il faut sortir rapidement. On va voir si Alfaro et Vardo, ils arrivent ensemble de mettre encore une fois la même pression que dans le premier quart. Alors Michael Tilby à la limite de la raquette, attention en 3 secondes. Voilà un beau style pour Michael Gaillard. Alors malheureusement il n'arrive pas à conclure. Voilà. Parce que un arrêt de jeu technique à cause de la musique, les arbitres étaient. Ouais. Déconcentrés nous aussi parce que c'est assez. C'est pas très normal. Voilà. Nouveau joueur sur le terrain numéro 11 de chez Pilatus. Sigenthaler. Non, Sigenthaler joue pour les Aigues de Mérin. Okay. Pascal Bollinger pour Pilatus. Oui, pardon. Ouais, t'as raison. Voilà, un nouveau tir qui ne donne rien pour les Pilatus. Michael Gaillard qui remonte la balle. Et Pilatus est retourné en défense, visiblement à l'intérieur de la raquette. Hop là. Là, l'arbitre aurait pu siffler une faute là-dessus. Et là, le numéro 12. Passe suicidaire, mais non, pas mal, belle passe. Un peu de risque. Passe en retrait de Luca Real, dont face au jeu, mais il a trouvé Michael Tilby qui peut accentuer l'écart pour les Aigues. Il y a bon sens d'orientation dans ce cas-là parce qu'il a pas regardé derrière du tout. Pascal Bollinger, Nicolas Ozaman. Et là. Je pensais qu'il allait rentrer dans la raquette, mais il va gagner 3 points pour Pascal Bollinger. Ah, Luca Real qui tombe sur la récupération du rebond. On va arrêter le jeu, je crois, parce qu'il y a Alors, normalement, le jeu ne s'arrête pas si un joueur est à terre. Il doit se relever soi-même ou c'est quoi la règle? Ouais. Alors, le jeu va s'arrêter si ça peut être dangereux pour le joueur qui est à terre. Okay. Si le jeu se situe autour de lui, à ce moment-là, les arbitres vont siffler. Hop là. Mais là, il est tombé sur le dos. C'est quasiment impossible de se relever tout seul. Ouais. Surtout pour un point comme Luca Real, qui n'a pas de ceinture abdominale. Ah ouais? Donc paraplégie, donc forcément ça va être compliqué pour lui de se relever sans abdos. Et si ça se fait pendant une attaque ou pendant une action, il doit rester comme ça jusqu'à la fin de l'action ou, Ah ouais, sauf si l'arbitre va siffler pour jeu dangereux et puis à ce moment-là, prochain arrêt de jeu, ses coéquipiers vont l'aider à se relever. Ok. Vardo de nouveau, mais bloqué bien au dehors, il y a un bloc. Il est quasiment le long de la ligne de touche, mais il réussit un shoot propre, très propre. Et les Aigles de Mérin avec 5 points de nouveau en avance. Les Aigles de Mérin qui reprennent l'écart. Tilby qui se met par terre. Nicolas Zaman tout seul sous le panier, ouais, ça pardonne pas. Ouais, très facile de l'autre côté. Zaman qui a... Et puis après Tilby qui essaye d'entrer dans cette dominance et de la défense, mais il ne le laisse pas entrer. Ouais. De nouveau une ligne très haute au niveau de la ligne à 3 points pour les Pilatus. Et c'est comme un barrage, hein. C'est comme un barrage, ouais. Ouais, peut-être. Et Hussein Vardo qui a la balle, mais quasiment à la ligne à 3 points. Il reste 4 secondes, il va tenter le shoot. Ah non. Ouais, il a tiré une faute, hein. Ah, il a tiré la faute. Ouais, numéro 13. 3 fautes. Vahab. Qui a pas l'air très très content parce que est-ce que c'est 3 lancers francs ou 2, je sais pas. Est-ce que. Ouais, 3 lancers francs. C'est quoi? Pourquoi 3? Parce qu'il est à la ligne à 3 points pour shooter. Ah ok. Donc si Eduardo réussit ses 3 lancers francs, ils peuvent reprendre 6 points d'avance. Ouais, je vois des longs visages du côté des commentateurs des Suisses alémaniques là. Je crois qu'ils sont espérés peut-être un peu mieux. Nous de notre côté, on a le sourire pour le moment. Hein. Notre collègue suisse allemand qui est également arbitre n'a pas l'air d'être d'accord avec la faute qui a été sifflée.
Voilà, le premier lancer franc était raté. Encore deux possibilités pour Usain Bardo. Ah, raté aussi. Ah, ça peut être des points qui comptent en fin de match, ça. Ça lui a découragé peut-être un peu, ou déconcentré. Et voilà, il met le dernier. Ah, il a sauvé son honneur, mais 1 sur 3. Un Schwanwab qui remonte la balle. Aucune pression des Aigues de Merin qui préfèrent défendre dans la raquette. Ouais. Mikael Ozaman qui trouve la balle circulaire dans la raquette et c'est facile. Je crois qu'il le laisse beaucoup trop entrer sous terre là au milieu. Je crois que de l'autre côté la défense est beaucoup beaucoup plus en avance et beaucoup plus rigoureuse aussi. Espérons que... Il faut que Genève arrête de donner des paniers faciles comme ça dans la raquette parce que... Genève prend quand même des shoots d'assez loin et puis pour le moment ils ont un bon pourcentage, mais est-ce qu'ils vont réussir à garder ce pourcentage tout le match à 3 points pour Usain Bardo. Tilby qui peut reprendre le ballon, mais le père Mika Real qui récupère pour les Aigles, pour Mikael Tilby qui shoot. De nouveau et encore, et ce ballon qui va sortir en touche, mais le ballon reste en possession des Aigles. La dernière main qui était au ballon était celle d'un joueur de Pilatus. Les joueurs essayent de se mettre en position, mais comme ils sont revenus pour la défense, c'est compliqué maintenant. Mikael Tilby. Alfaro. Pour Usain Bardo, mais il perd la balle. Et une faute de sifflet sur Schwanwab, sur cette intervention défensive. Ouais. Et de nouveau, il y a un peu de musique qui s'est déclenchée automatiquement. Je crois qu'il y a encore un peu de tuning à faire. Voilà, deuxième faute de Schwanwab. Troisième. Troisième faute, oui, juste. Je regardais le tableau, mais... Troisième faute pour Schwanwab. Ça peut aussi être un handicap pour les Pilatus qui n'ont pas un banc très très large. Ils ont seulement 3 remplaçants. Effectivement. Ouais, je crois que... On se calibre entre les arbitres, là. Ouais. Ah, Alfaro sur Tilby. Tilby. Bardo est bloqué. Qui retourne Alfaro, mais... Hors-jeu. Voilà, 8 secondes plus de possession pour shooter pour les Aigles. Ouais. Est-ce qu'on va assister à un shoot temps mort pour les Pilatus. Ouais, ça reste le suspense et comme on l'a espéré. Déjà le match des U16 ce matin, malheureusement, c'était pas comme promis très serré. Je crois que le Grand Saconé a fortement dominé les Lucernois du Suisse Central. Ici, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus intéressant. On l'aurait pas cru. Nos prédictions du début étaient complètement fausses, on l'admet, mais de ce côté-là, on se réjouit du match maintenant qui joue vraiment sur un bon niveau et très serré. Effectivement, ouais. Voilà, certainement les Aigles sont en train de mettre au point une stratégie pour essayer un shoot de loin, vu qu'il reste très peu de temps à la possession, peut-être un shoot à 3 points. Mais il reste quand même encore 5 minutes à jouer avant le mi-temps, la mi-temps, et puis de l'autre côté, la deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il reste largement de temps encore pour Pilatus, que l'Empire va retalier, mais de ce côté-là, pour le moment. Les Aigles les tiennent de coup et de ce côté-là, tant mieux pour le jeu, pour l'Andy Basket, etc. Toujours pas de changement du côté de Merin qui garde le même 5 de base. Et Schwanwab est sorti pour Pilatus. Très bien, si vous nous entendez, partagez le lien de SuisseBasketball.tv avec vos amis, avec vos copains, avec vos connaissances. C'est un test pour voir si le streaming marche aussi au niveau du Andy Basket. Nous, on croit que oui. Alors, de ce côté-là, si vous aimez, laissez-nous savoir. Un panier encore facile pour Pilatus qui revient à égalité. Ouais, je crois que les Aigles ont quand même permis maintenant quelques shoots un peu faciles avec une défense qui était peut-être pas au top. Ouais. Espérons que ça va pas être fatal après pour la suite. Effectivement. Alfaro pour Gaillard qui est pris par deux joueurs. Il peut notamment récupérer le ballon, mais la fin de la possession. Le ballon retournera chez les Pilatus. Voilà, alors
les Pilatus qui empêchent Michael Tilby de retourner en défense. Voilà. Il a pu profiter de sa vitesse pour quand même retourner. Ce sera une défense en 55. Rosamann est venu la ligne à 3 points. Pour Pascal Bollinger, au lancer franc, retour sur Rosamann. Encore 8 secondes. Prend le shoot. Rosamann, shoot pas facile. Bonne défense de Michael Gaillard, mais son expérience. La fait, c'était pas optimal comme endroit et il était même en train encore de tourner. Mais Rosamann, je crois que. Il a bien marqué. C'est un des joueurs de l'équipe suisse qui a pu aller jouer à l'étranger. Il a joué quelques saisons en Allemagne notamment. Ah ok. Ouais, le Pilatos de nouveau avec 2 points en avance. Maintenant temps mort des Aigles qui doivent revoir. Ils ont gardé leur 5 de base. On va voir maintenant ce qu'on décide. Si ils vont finalement changer le dispositif ou pas. C'est quoi ta prédiction? C'est est-ce que la starting five, c'est celles qui sont vraiment les joueurs les plus fortes de loin ou C'est les joueurs effectivement du côté de Merin qui ont le plus d'expérience. Peut-être le numéro 11, Claude Siegenthaler, pourrait rentrer sur le terrain, qui est aussi un joueur qui a un bon bagage. Ouais. Après, il faut toujours se méfier au niveau des pointages de chaque licence, parce que les équipes ne doivent pas dépasser 14,5 points par rapport aux handicaps. Ouais. Donc, c'est peut-être... Pour certains, ça peut paraître bizarre, parce que... On se dit, mais tiens, le coach ne peut pas jouer ses meilleurs joueurs, mais simplement, il doit équilibrer les pointages par rapport au type de handicap qu'il a sur le terrain. Ouais. Mais là, je crois qu'il n'y a de nouveau rien changé. Non, je vois pas de changement. Alfaro, Léal. Vardo. Alfaro qui remonte la balle. Rosamann qui sort sur lui. Ouais. Une passe pour Lucaré à la ligne à 3 points. Il traverse la raquette pour Vardo qui profite d'un écran de Tilby. Ouais. Vardo sur Alfaro. Pardon, à la ligne des lancers francs. Est-il pas suffisamment rapide pour récupérer le ballon et faire un rebond? Un bon box-out des Pilatus qui l'a empêché de reprendre le rebond ouais. défensif. On voit que le pourcentage de shoot des Aigles commence à diminuer. Et ils doivent tout le temps chercher des shoots de loin et au bout d'un moment, la chance tourne. Et puis Walter Spuller facilement sous la raquette, non ouais. Mais ils ont gardé le ballon. Reste en possession Rosamann. Pilatus prend énormément de rebonds offensifs. Voilà, c'est trop facile. Trop facile. Ils l'ont laissé approcher. Beaucoup trop facile pour un joueur, ça trompe. C'est 2 points offerts. Ouais. Manque d'agressivité dans la défense des Aigles sur ce coup-là. Espérons que les Aigles ne vont pas prendre trop de l'eau, parce qu'ici, on a déjà un écart de 4 points. Vardo, on n'a pas trop vu maintenant récemment. Je crois qu'il faut que c'est lui qui a fait que. Pilatus défend très très haut sur lui, elle empêche de progresser dans la raquette. Mais il trouve Alfaro. Belle passe de Vardo pour Alfaro, mais malheureusement ça donne rien. Ouais, mais il devrait shooter parce que... Oh, perte de balle des Pilatus qui oblige Nicolas Rosamann à faire une faute. Faute. La faute contre le numéro 8, Rosamann. Première faute pour Nicolas Rosamann. Alfaro organise le jeu pour Vardo, mais qui est de nouveau très très loin de la raquette. Ouais, qui est bloqué au dehors de la ligne des 3 points. Belle passe dans la raquette pour Michael Gaillard. Ah, ça, ils doivent marquer s'ils veulent encore. Coller au score. Hop là. Vardo. Et là, le panier comptera pas. Mais Merin qui récupère la balle sur une faute des Pilatus. Et qui tire de lancer franc. De lancer franc, ouais. Pardon, lancer franc, on vous rappelle qu'il en a raté 2 tout à l'heure. Ouais. Quoique s'il se reprend, il donne la possibilité. Ah non, c'est très très quasiment court. Airball, hein. C'est trop court, elle touche juste l'anneau, mais pas habituel de sa part, peut-être un peu de fatigue. Ouais. Deuxième possibilité. Bah, il a fait un très bon match jusqu'à présent. Et le deuxième. Enfin. C'est propre, on switch. Voilà, les Aigles ont décidé de défendre beaucoup plus haut, mais là, ils ont réussi à se bloquer entre eux. Nicolas Rosamann. Pour Pascal Bollinger. Ouais. Et belle passe pour Nicolas Rosamann qui a bien décalé Pascal Bollinger. Ouais. Alors, Mera devra
aurait profité d'un surnom, mais non, il y a une faute sur Usain Bardo. Ouais, mais je crois que Bardo a tiré une faute. Nicolas Zaman qui discute beaucoup avec les arbitres. Ouais. Il est entraîneur-joueur, donc il sait son droit. Voilà, alors c'est une autre... Petit débat en Suisse-Allemand. Ouais. C'est une autre sportive qui est donnée, ce qui explique qu'il n'y a personne au rebond. Et la possession retournera aux Aigles de Meyrin. Mais Bardo, je crois qu'il va vraiment être épuisé parce que ces statistiques-là, ils sont pas très bien. Et une nouvelle fois, il marque le deuxième et pas le premier. 1-2. Parce que si on aurait compté que Bardo aurait mis tous ses lancers francs dans le panier, on serait de nouveau à égalité. Ouais. Hein. Exactement. Bon. Voilà, les Aigles qui ont de nouveau 24 secondes dans la possession pour poser une attaque. De nouveau une défense très haut sur Bardo. Bardo qui... Ballon lui glisse, il trouve personne. Tilby ne peut pas prendre. On passe dans la raquette, mais Luca Real pour récupérer. Ouais. Mais un shoot un peu précipité. Ouais. Ozaman. Ozaman. Progresse tranquillement la ligne de touche. Retour au centre pour Pascal Bollinger qui va prendre Bollinger, un shoot ouais. Depuis la ligne des lancers francs, c'est propre. Et les Aigles, sont, parfois, ils semblent entre Reichenbach et Hausmann d'oublier un peu qu'il y a encore Bollinger qui a quand même mis quelques paniers. Tilby dans la raquette tout seul ou un contre. Et le ballon qui retourne pour les Pilatus. Le numéro 7 des Pilatus remonte la balle. Au centre, une feinte qui enrume complètement Jonathan Alfaro et qui va tout seul au panier, mais ce sera pas marqué, mais il récupère deux lancers francs. Belle feinte aux têtes de raquette qui a complètement déjoué la défense des Aigles. Deux lancers francs. D'habitude, on évite de défendre de face en handi-basket pour éviter justement de se faire enrhumer de cette façon-là. Mais... Ouais, mais là, je crois que... Voilà, là, c'était... Oui, là ça pourrait être décisif. S'il met les deux dans les paniers, après on est. Ah non, bah ce ne sera pas les deux, le premier est raté. Un écart de 6 points entre les deux équipes. Ouais. Et un écart qui malheureusement n'a pas cessé à se creuser. Effectivement. Voilà. C'est maintenant 30 à 23, à 1 minute 25 de la fin du deuxième quart. Ouais, voilà. Il faut que Meyrin se relève. Et qu'on voit de nouveau quelque chose de Bardo qui est très adroitement. Ah, mauvais espace, ouais. C'était bien vu. Mais trop précipité, Bardo n'était pas encore en place, il tournait encore le dos contre le jeu et il n'a pas pu récupérer le ballon. Maintenant, je crois, il me semble qu'il y a le numéro 11. Claude Reichenbach qui est rentré effectivement. On lui est place de. De Alfaro. Ah, de Alfaro, exactement, ouais. Et Bollinger de nouveau. De nouveau dans sa position favorite. Ah non, cette fois, manque de chance. Un bon shoot, mais qui n'est pas rentré. Voilà, Claude Sinenthaler qui fait ses premiers tours de rond sur le terrain. Ouais, Real qui bloque. Bardo avec un bon travail de Luca Real pour rentrer dans la raquette. Ça bon boulot être. De Luca Real qui a empêché le défenseur des Pilatus de bloquer la route à Usain Bardo qui hérite en plus de la faute. Donc, ouais, c'est un plus 1. Un plus 1, un plus 1. On va voir ce que Bardo cette fois il fait. À l'occasion de revenir à 4 points avant la mi-temps. Ah non, oh. Toujours pas. Il va essayer de le récupérer soi-même, mais hors jeu. Ouais, mise en touche, c'est bien battu, mais récupérer son propre bon, c'était pas facile. Et bien, effectivement. Voilà les 40 dernières secondes de cette première mi-temps. Nicolas Ozaman, le long de la ligne de touche, est-ce qu'il va prendre le shoot? Non, il attend que son coéquipier rentre dans la raquette, encore un panier facile. Pour Mathias Souter. Bon schéma de jeu mis en place par les Pilatus sur la dernière action qui a donné un panier facile pour Mathias Souter. Alors on joue tout Bardo. Beaucoup sur Usain Bardo qui va shooter de très loin. Ah. Alors, la réussite n'est plus du côté des Aigles dans cette fin de première mi-temps. Plus que 9 secondes pour les Pilatus pour essayer de creuser l'écart. Mathias Souter a aligné 3 points. Allons, airball.
Ouais. Le 3 points en fauteuil est quand même très très loin. Ouais. Et très compliqué. Bravo. Voilà. Claude Signetaler qui garde et la balle. Et c'est le mi-temps. Voilà. Voilà, je crois que si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on a vu? Un score plus serré que ce que je m'attendais. Un très bon début de match des Aigles de Meyrin qui ont eu un très bon pourcentage sur des shoots de loin. Mais on voit que maintenant la réussite a un peu quitté les Aigles et puis la défense plus haute des Pilatus commence à poser problème aux Aigles et beaucoup de paniers faciles pour les Pilatus dans la raquette. Mais de l'autre côté, mon analyse c'est un peu que quand il y avait un premier quart qui était complètement en faveur des Aigles, qu'ils ont poussé, qu'ils avaient vraiment les Pilatus sous contrôle, le deuxième quart était quand même beaucoup plus disputé avec vraiment des avances assez fortement du côté du Pilatus. Effectivement. Ça veut dire que première stratégie doit maintenant être que la pendule maintenant ça glisse pas encore plus dans le territoire du Pilatus. Ouais. Mais de l'autre côté, vu leur dominance et leur expérience, on ne sait pas. Certainement un peu de fatigue aussi du côté des Aigles qui n'a pas fait beaucoup tourner son effectif. Ramesh Janton se base sur son sac de base et il faudrait peut-être voir pour tourner un peu, peut-être pour reposer Hussein Vardo. Ok, je vais me préparer rapidement pour un interview. Très bien, merci. Et de ce côté-là, on va voir. Tu coupes là, mais... Tu coupes la transition là. Ok. Alors on a Nicolas Ozaman en interview, mais du côté du Salmon, je demanderai à Thomas qu'il nous fasse une traduction pour... un résumé du coach de l'équipe nationale, Nicolas Zaman, et coach des Pilatus Dragons. Okay. Also nochmal, wie hast du es gesehen? Wir haben am Anfang gesagt, dominant von Pilatus Dragons. Es ist nachher ein bisschen anders. Ja, wir hatten sehr einen nervösen Anfang. Wir sind eher wie ein Team, das etwas zu verlieren hat, als etwas zu gewinnen will. Und haben eigentlich niemand so richtig im Spiel gehabt. Und dann wird es natürlich schwierig, oder? Wir haben vor zwei Wochen einen harten Match gegen sie. Wir sind nochmal zurückgekommen in der Halbzeit. Wir sind froh, dass wir das mal in der Bühne verwackelt sind. Und jetzt doch mit ein paar Punkten Führung in die Halbzeit gehen können. Was ist deine Prognose für den Schluss vom Spiel? Ja, die Prognose ist, dass wir werden herbekommen, weil das gibt uns nachher die Möglichkeiten, bevor sie stehen, hinten in der Transition etwas zu generieren. Und dann sind wir, denke ich, schwer zu stoppen. Wenn wir immer gegen ihr stehendes Zonenbollwerk haben, dann sind wir auf unsere Würfe außen auch ein bisschen angewiesen. Zum Glück haben wir jetzt da mit dem Baski und mit mir zwei Wochen den Wurf gefunden am Fussen. Das zieht sich ein bisschen auseinander. Und ja, wenn wir so weiterziehen können, die Defense, denke ich, und unsere Vision überkommen, dann sieht es gut aus für uns. Super, vielen Dank und viel Erfolg in der zweiten Hälfte. Mit dem Kopf an der Oberlücke und dort bei den Playoffs. Genau